T'as été sur le savoir là ? Oui, je suis connecté. Depsos. C'est moi. C'est moi Depsos, oui. Je suis à la mairie. Je suis en train de faire un discours de politique en étant bourré. Oh les gars ! Aujourd'hui on se retrouve et on va parler politique ! Et voilà, je me fais enculer déjà. Ouais, ouais. On va parler politique, tu dis ? Oui, on parle politique ! Tu vois, il y a moyen que tu m'enlèves ? Mais je viens de dire le moto qui m'a pris ! Je te demande si tu te sens bien. Ah, moi, parfait, moi. Toujours. Ah ouais ? Viens au spawn, s'il te plaît, MK. Je suis à l'entrée du spawn. Tu vas me mettre par terre. RP, s'il te plaît ? Je vais me le mettre, le non, RP. On va mettre... Hubert de Saint-Paulois. Ça, j'ai trouvé que c'était un bon nom. C'est bon, ça vous va comme nom RP ? C'est, ouais, voilà, c'est spécial. C'est le mot. Hubert de Saint-Paulois. Je suis vexé quand même. Allez, je le prends avec moi. Je le prends. Aïe ! Viens, RP, qu'on va lire les règles, viens. Idole, mascotte, chef Yazuka, chef... Ça veut rien dire ces règles. T'imagines les règles ? Animal de compagnie, je comprends pas. Alors là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Il y a un mec qui me dit quand même, et il me dit tu m'as toujours déçu parce qu'en fait le mec j'ai mis bientôt les 100 000 abonnés. Et ça fait 3 ou 4 jours que je l'ai en fait. Et le mec qui me dit tu m'as toujours déçu Zertek. Goodbye my lover. Goodbye my tu m'as toujours déçu Zertek. You have been the one. Et regardez mon gars c'est gros pige, le gars avait décapé tout, il s'y croit trop tu sais. Eh t'es en pyjama mec, t'as oublié de te changer non? Eh mettez au garde à vous devant la fille du chef de la sécurité publique là. Ah si, c'est mieux au garde-vous. Ok, tu fais des pompes maintenant. Fais des pompes. Ça, c'est la petite fille du président. Tu fais des pompes pour moi. Papa, je veux manger une glace. On va y aller. MK, du coup, il faut que je me trouve une histoire RP ou pas? Parce que tu sais que je suis nul avec ça, moi. Avec les histoires RP? Ouais. Genre lui il fait quoi? Il joue un suicidaire? Mec il reste au milieu de la nationale. Le mec en fait son RP, il fait que des tentatives de suicide. Attendez, on va aller voir lui là. C'est quoi lui? Car dealer. Baka baka. Oh oh, la 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 la. Eh eh. La 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 la, pardon. C'était nul. Bon, on va essayer de récupérer quelqu'un pour le séquestrer, le tuer, ça peut être sympa ça. Ouais, ça serait assez amusant. C'est vrai que je me fais pas mal chier en tant que petite fille sur le serveur. Et tuer quelqu'un me ferait le plus grand bien. Gamer. Tu veux des filles shot de ta région? Je suis nous. Il a pas compris ce que c'était lui, le fir RP. Ouais, je crois pas. Il y a ma fille qui va te mettre les menottes là. On nous dit que t'es menotté, donc c'est quand t'es menotté. C'est-à-dire que t'évites de te mettre assis sur un banc alors que t'es pointé avec un gueule. En fait, si tu veux, vu qu'on fait semblant que t'es menotté, tu vois, c'est le RP, ok? Voilà, je pourrais dire n'importe quoi. C'est quoi ton semblant, tu vas le faire. Voilà, on fait semblant que t'es une cuisinière en fait. Vas-y, fais la cuisinière. Eh, tu l'as fait trop mal la cuisinière. Hein. C'est pas grave, on fait semblant que t'es un frigo. Putain, il fait trop bien le frigo. Bon, bah, vu qu'on a plus besoin de bruit. Il fait vachement bien le frigo allongé par terre. Je fume dans la rue, ça, j'accepte pas ça. C'est qui fume? C'est lui. D'où tu fumes là? Tu penses qu'à toi hein? Et la pollution? Tu sais ce que c'est? Le trou dans la couche d'ozone. Pousse pas! Tu jettes la clope. Elle est pas jetée, tu vas pas nous faire croire. On fait pas semblant là. Tu crois que c'est un jeu de rôle ou quoi? T'as cru qu'on était sur un manga RP ou quoi mec? Allez, fume une bonne chmerf. Ah, mieux que toi ma fille. Oh, je suis défoncé. Incroyable ce shit mon gars. Ah. Oh, je suis passé au-dessus. Oh. Il se fait ça. Ça va ou quoi? C'est de la bonne, t'en veux? Ouais. Ça fait le père et la fille vraiment starvés, tu sais. Ils font n'importe quoi. En fait, j'avais une compétition à me faire parce qu'en fait, je... Non, t'as une voiture dégueulasse, laisse tomber. On veut même pas savoir. On travaille qu'avec des beaux gosses. Ah, elle est propre, c'est bon. Ah, t'as une petite fille avec ta bavière, on la prend, on va la duc. Tu veux pas qu'on s'occupe de ta petite fille, là? Je t'emmène dans le métro et que ça te tourne mal. On a le droit. Explication. J'ai cru dans la street, toi mon gars là. J'ai tombé comme une merde. J'ai tiré partout sauf sur le monstre. Il est tombé comme une merde. Ils sont là. Arrête-toi. Le mec il a paniqué. La petite triste et d'orphelina qui panique parce qu'elle a un gosse avec elle, elle se fait poursuivre.
C'est tellement ça. Attends, y'a une petite là. Et ma petite là, monte. Arrête de passer au milieu de la route. Monte petite. Et tu veux des bonbons? Deadpool, on a une petite enfant pour toi si tu veux. Regarde, fais des trucs amusants, des trucs sexy, allez. Faut qu'on puisse te vendre, hein. Regarde ça un peu ce qu'elle sait faire. Ça t'intéresse? Mais fais pas ton timide, Deadpool! Allez, on part l'affaire là, un bon petit cigare, ça te dit? C'est pas grave, on trouvera quelqu'un d'autre. Je te mets une petite barre de pole dance et tu fais de l'argent sur le ça. À ce soir! Eh, tu vois, attends, viens, on reste devant, tu vois que ce casse. Tu fais quoi, toi? Eh, viens ici, viens avec nous, tu descends en bas, tu viens. Tu vas aller faire du pole dance avec l'autre pour la peine, viens. Allez, tu te mets avec elle. Et tu fais du pole dance aussi, tu nous rapportes de l'argent. 200 euros ce soir, on veut minimum. Allez, donc 400 du coup au total. Allez, à ce soir. Tu crois qu'on leur dit que c'est bon, ils peuvent partir, c'est bon, la blague est faite? Mais sinon, ça peut être marrant de revenir 30 minutes après et de les voir danser ici. C'est ça. Oh putain, fait chier son corps. Ils sont en train de danser en plus, hein. Allez, j'ai un autre travail pour toi, ma petite Sarah, là. Toi, par contre, tu dégages, toi, t'es trop vieille. Vieille peau, casse-toi, vieille peau. T'as 12 ans, casse-toi, vieille peau. T'as assis derrière avec elle. Eh, hey, copine, on fait un jeu. En fait, je t'explique. Alors, toutes les voitures... C'est pas grave, je viens de chercher, je conduis. Pas très RP, hein. Attends, elle veut pas que je conduise, elle me dit c'est pas RP. Bonjour. Bonjour. T'es un gros PD. Hein? Ah non, la modératrice, elle va m'enculer. Je voulais lui piquer la voiture, mais je me suis dit non, la modératrice va m'enculer. Allez, on sort. Oh, l'endroit trop glauque. Mais pas de la lumière, mais un feu de camp. J'allais mettre une lampe dedans, justement, genre... Je vous ramène votre fille, elle est montée dans ma voiture, là. Mais faites la rentrée, allez-y. Les gros pédophiles. On a deux petites filles. C'est glauque. On vous installe vos appartements, vous allez dormir ici quand vous serez pas au métro pour travailler et ramener de l'argent, ok? Je vous mets chacun un lit. Allez-y, vous pouvez rentrer dedans. Ça le fait trop bien en plus. Ouais, trop mec. C'est choquant comment ça le fait bien. Bah alors vous êtes pas bien ici? Hein? On dit quoi? Merci. Jackie et Michel. J'étais sûr. Arrêtez de m'appeler. Comment? Sarah, comment se mettre sur liste rouge? Ah, Stéphane, fils de pute, là t'es enculé. Ah, je l'ai pris. T'auras mes appels. Oui, c'est le cas. Tu as pas su protéger ton père, Sarah. Il est mort à cause de toi. Ah, ton père. Je t'abandonne, moi, Sarah. Vite, 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 avant que la mine me sort. Vite, 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 vite. Fonce. Elle a pas les droits suffisants pour prendre notre voiture. Tu sais qu'elle va te TP, mec, direct. Non, Sarah. Tu nous as laissé. Tu nous as lâchement abandonné, Sarah. Attends, j'ai pris le relais. Monte, monte, monte. MK. Non, vous avez pris MK, laissez-le. Mais les gosses conduisent pas les voitures. Mais attends, c'est quoi? T'as quoi à dire? Tout sort. T'es où? Je ne la contrôle plus. Ah, j'entends laver ma voiture. C'est bon, je décoche, je la laisse. C'est bon, j'arrête. C'est bon, Zertek. On m'a donné de comme défendre des mecs qui voulaient me racketter. MK, j'ai une voiture. Genre, je veux faire un truc comme le mec, il recule à 24 dessus, Rada. Arrête, Zertek, arrête. Eh, tiens, toi. Eh, tu veux un téléphone? Ouais, vas-y. Ouais. Prends-le, vas-y. Voilà, bonne journée à toi. MK, ton téléphone il me cassait les couilles, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Je crois que tu n'auras plus jamais de téléphone. Qui est mort? Toi, il y a des goûts. MK, lui, il fait peur, lui. C'est qui, lui? Attends, t'es où? Toi, t'as une tranche chelou, toi. Arrête! Arrête! Certain! Tu m'as éclaté, wesh, j'ai plus beaucoup de vie. Viens, je t'encule, viens! Ah! Alors, on fait pas le beau? Hein? Oh merde. J'ai pas duré longtemps avec ma tronçonneuse. Vas-y, tu veux passer quoi? Vas-y. Viens, on passe. Oh, justicier, passe justicier, mec. Viens, on est justicier. Cette voiture a été volée, il faut qu'on la vole pour la rendre.
Mais t'es où? Je suis en train d'essayer de voler des voitures. Tu crois que c'est un bon justicier, ça? Ah, oh, GG. Monte, monte, monte. C'est bon, je suis, fonce. Au revoir, monsieur. On est les justiciers. Youpi. Voilà. Oh, il a refoutu droit de sa voiture. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien aguicher les filles. Toi, les filles, là, carrément. T'es pris pour qui, toi? Ah, voilà. T'es pédé. Oh le bâtard, oh le bâtard. Au revoir. Ta-ta-da, ta-da-da, ta-da. Tu crois que ça serait honnête si je lui mets à l'eau? J'ai volé une camionnette. Ah, BMK, je t'invite à la foutre à l'eau avec... Non, le... c'est bâtard. T'as raison, c'est bâtard, faut pas le faire. Oh, moi, il est déjà là-bas au fond. Classe. Attends, t'as pas un lockpick là? Non, j'ai pas de lockpick. Mais pour un lockpick là? Le mec il fait un repérage, c'est, on dirait un flic qui se moque. Avec la voiture, c'est fait mon gâteau par terre avec votre voiture. Et mon gâteau au milieu. Tiens, mon gâteau, tiens. T'en veux du gâteau? Tiens, Arad, mon gars, mange ta tarte. Mange ta tarte. J'aime bien le bonnet, il vient avec un gâteau pour l'offrir. Il prend un coup de couteau, deux coups de poing. Il a pris son gâteau. Le mec il s'est fait racketter en 2-2. Vas-y viens, on va acheter un lockpick là, ce sera plus simple pour voler toutes les voitures. Premièrement t'es justicier, ok, t'as rien à foutre, oui. Avec ton putain de lockpick. Si c'est pour lockpick ta voiture, pour aller faire justice, passe-moi un lockpick là. Non non. Si. Tu continues à insister, ça sera un petit ban de 2 heures. Allez, bonne journée. C'est pas maintenant, il est parti, on achète un lockpick. Bonjour Deadpool, je pourrais avoir un lockpick s'il vous plaît? Et toi tu comprends quoi dans non? Non, arrête. Oh, c'est faux, ben. Bonjour Deadpool, je pourrais avoir un lockpick s'il vous plaît? Arrête, le bad boy il a pas fait. Je t'ai expliqué plusieurs fois. Je te répète une dernière fois, j'articule. Tu n'auras pas de lockpick, merci et au revoir. Tu sais que t'as pas le droit d'utiliser l'outil qui sert à ouvrir les portes. Ah mais oui, mais vu que je veux voler des voitures, comment je fais du coup? Vous savez où est-ce qu'on peut trouver un lockpick s'il vous plaît? Comment on vole des voitures? Triade ou Yakuza, triade. Ok merci, désolé j'ai un peu de mal. Avec un lockpick? Oui. D'accord, mais tu peux m'en vendre un s'il te plaît alors? Ah mais non. Il y a le vendeur d'armes. Bonjour, excusez-moi, viens acheter un lockpick. On veut juste un lockpick. Oh, et voilà, je vais me faire enculer. Mais c'est un fragile aussi. Viens, on se cache ici. J'ai des orphelins. Comme ça, si la mini vient, ils disent, bah non, on attendait. Non, non, on bouge pas. Je peux pas m'asseoir, moi. Et voilà, ah bah, je me fais TP. Oui. Apparemment, tu trolls. Mais je l'ai tué sans faire esprit. Je regarde depuis tout à l'heure là, il vend pas de lockpick. Ben, on pourrait savoir, tu nous dis que c'est une erreur, on va te croire. Bonjour, merci. C'est bon, ils m'ont libéré. Bonjour, vous aurez pas un lockpick s'il vous plaît monsieur? Est-ce que vous pourrez me vendre un lockpick s'il vous plaît monsieur? En point de lockpick. Si, tu veux un lockpick, tu me vends un lockpick mec. Envoie-moi un lockpick. Un lockpick, putain. Mais si, envoie un putain de lockpick. Quelqu'un peut m'expliquer qu'on a pas de lockpick? Un lockpick! J'aimerais bien pouvoir jouer tranquillement, s'il vous plaît! Est-ce que tu crois que ça se fait, MK, franchement, d'abandonner lâchement sans... Ah, je crois que je vais me faire ban. Pourquoi? Oui, quoi? J'ai fait quoi? On troll encore! Mais j'ai rien dit! J'ai rien fait! Alors, pourquoi tu demandes encore aux vendeurs d'armes? C'est toi, là, alors qu'il t'a dit, on avait pas. Mais parce qu'on sait jamais, peut-être que le stock est arrivé. Ah bah oui! Bah qui sait? Peut-être qu'il en avait plus en stock avant et que là y a du stock qui est arrivé tout simplement. J'ai rien fait, c'est injuste, c'est totalement injuste. Run. Échappe-toi! Vite, fonce! Mais fonce, t'attends quoi? Et voilà! T'es content, c'est trop tard! Allez, tu peux t'en aller! J'en ai où? J'ai essayé de m'échapper avec la tutrice d'orphelinat mais elle m'a lâchement abandonné. Attends, deux secondes. Oh, dis-moi, t'as pas un lockpick en bas? Oh mon dieu. Oh putain.
Mais tu trolles encore? Je trolle pas, j'ai demandé un lockpick. Je demande juste un lockpick. Est-ce que c'est mal de demander un lockpick? Est-ce que c'est trollé? Deux fois qu'il en a pas. Il a dit deux fois. Eh ben jamais 203. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Moi je propose à tout hasard. On me dépose en bas et puis je joue quoi, tranquille, tu vois. À tout hasard, hein. Non mais au pire, ce qu'on fait, c'est que j'ai juste demandé un lockpick. Donc vous me givez un lockpick et comme ça j'irai plus lui demander. Non. Écoute, t'es un délinquant, d'accord? Non, je suis un justicier. Mais oui, mais je vole des voitures pour le bien des autres. En fait, je pique les voitures, je les jette à l'eau, ça pollue la planète. Je suis un justicier quoi, tu vois. Et la prochaine fois que tu retournes demander un lockpick à l'armurerie, tu prends un ban. C'est pas cool ça, tu le sais ça. Vraiment que je fasse gaffe comment je roule parce que moi j'ai 1% de ville. Prochain choc c'est la mort. Voilà, du coup, j'ai sauté avant. Bonne la voiture de police. C'est bon, je l'ai. C'est bon, on y va. Cassez-vous, putain, j'ai presque plus de vie, j'ai peur d'avancer. Ça me bat les couilles de Homer. MK, ma voiture de police, elle a disparu. Ma voiture? Vous avez volé ma voiture, monsieur. J'ai rien volé. Bonjour, vous avez pas un lockpick s'il vous plaît? Oh merde, putain. Arrête, arrête, y'a l'admin. On est justicier. T'ouvres ta gueule face au justicier. Oh mon dieu, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que t'as dit par rapport au justicier là? Oh mon dieu, ça se passera pas comme ça. Je fais justice. Pourquoi il court comme ça? Que j'ai mis 2-3 patates. Il court. MK, j'ai piqué une voiture, on se casse. Arrête! C'est la caisse du même flic de tout à l'heure. Voilà, mais je suis mort, j'ai presque plus de vie. À chaque fois que je prends la voiture, j'ai plus de vie, gros. Tu sais très bien comment ça va se finir. Ouais, bah ça c'est sûr. Ah, bah comme là par exemple. J'ai eu de la chance. Oh! Arrête! Vous avez pas lu les règles? Si, j'ai tout lu! Animal de compagnie et tout le bordel, tout est entier, il y a tout écrit au spawn, j'ai tout lu. Viens vers ça qu'on va lire les règles, viens. Idole, mascotte, chef Yazuka, chef... Ça veut rien dire ces règles. Tiens, j'ai des règles. Animal de compagnie, je comprends pas alors là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Alors... Je vais sauter si tu retires pas le monde. Regarde, Robin, regarde.